un invité qui, d'ailleurs, la transition est toute faite puisqu'il nous présente une nouvelle activité qui est présente d'ailleurs sur les Monts Jura. Olivier, bonjour, qui vient les mains chargées avec son prototype, ses prototypes, le Snook. Le Snook. Alors, bienvenue. Merci. Sur ce plateau. Enchanté. Et je vais te laisser tout simplement présenter cet attirail qu'on peut voir aujourd'hui dans de plus en plus de stations françaises et étrangères. Tout à fait. Donc aujourd'hui, donc le Snook, beaucoup de gens encore ne connaissent pas cette nouvelle activité, cette nouvelle pratique. Le Snook, c'est un nouvel engin de glisse hybride entre le ski de randonnée qui se transforme en luge monopatin, ce qui s'appelle le paré. C'est un nouvel engin de glisse qui est destiné surtout aux non-skieurs au départ, des gens qui ne savent pas skier ou pas snowboarder, ou des gens qui ont peut-être des problèmes de motricité aussi, aux genoux en particulier, et des gens qui sont adeptes aussi de nouvelles glisses, de nouvelles sensations. Donc ce sont des gens souvent qui sont très proches de la nature, qui aiment les parcours raquettes et les parcours de randonnée. Donc voilà, c'est un engin qui est tout à fait destiné, je dirais, à une glisse ludique et conviviale, à une activité de groupe, en famille et entre amis. Alors là, devant toi, tu as le modèle à la montée, avec les pots qui sont... qui sont montés. On a des fixations souples qui sont adaptées pour un dénivelé progressif. Je peux vous montrer donc l'utilisation. Sachant que c'est adaptable sur n'importe quelle paire de chaussures. Chaussures souples, hein, après ski, hein, donc chaussures souples. Donc là, je vais l'utiliser avec une paire de baskets, parce que je n'ai pas pris de chaussures souples, pour vous montrer. Donc l'utilisation est très simple, donc avec un réglage. Vous mettez le pied dans la fixation. Et après, vous adaptez un serrage. Un petit coup de serrage. Un petit coup de serrage. Et voilà, votre fixation, elle est prête pour la montée. Voilà, tout simplement. Donc, pour faire un dénivelé progressif, avec bâton télescopique. Ça s'adapte à n'importe quel type de neige ? N'importe quel type de neige. Donc, c'est un ski aujourd'hui qui fait 1m40 avec 100 de patins. Donc, ça peut aller sur de la neige poudreuse, donc jusqu'à 20-30 cm de poudreuse, ou de la neige trafolée ou transformée. Sur neige dure, le ski se comporte bien parce qu'il y a de vrais quarts. Et donc, on peut carver, comme on peut voir donc sur cette image, avec de l'inclinaison. Donc, je vais vous montrer après la position. Alors. Donc, quand on arrive au sommet, il suffit de tirer. De tirer sur les languettes. Languettes et sortir les pieds. On transforme avec des vis excentriques. On met nos fixations, nos bâtons télescopiques dans nos sacs à dos. Et on sort le siège thermoformé avec la suspension carbone qui est derrière. On met le leash, bien évidemment. Pour ne pas perdre. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc le leash autour de la taille. Et là, on est paré à une descente pleine de sensations fortes. Extrêmement. Et je veux dire, c'est une glisse qui est vraiment faite pour tout le monde, de 10 à 70 ans, voire au-delà, parce qu'il y a des gens qui, au-delà, puissent faire aussi du snook, en toute sécurité. Alors là, tu as l'air super bien posé, quand même. C'est étudié pour, il y a eu combien de temps de réglage, de peaufinage avant Cyril de pouvoir... Colmédage, qui est notre fondateur, donc a eu ce projet, date depuis une quinzaine d'années, et il est né, donc la storytelling, il est né dans le cadre, lui, il était accompagnateur de moyenne montagne, et en sortie d'amis, donc il sortait en raquette, et puis il trouvait que la descente était plutôt frustrante, et donc il a voulu développer un nouvel engin de glisse, qui était assez proche du paré, donc une inspiration d'un engin qui permettait aux enfants dans les années 20 d'aller à l'école, quand il y avait de la neige, et il a fait la combinaison des deux, qui aujourd'hui est un produit extrêmement créatif, un engin extrêmement créatif et innovant, à la portée de tout le monde. Alors, je pose la question qui fâche, ça rappelle quand même un autre engin sorti il y a quelques années d'une célèbre marque de raquettes, dont on ne citera pas le nom. Non, qui est un petit peu différent parce que l'avantage du snook, c'est que vous êtes vraiment dans une activité outdoor. Et les activités outdoor, aujourd'hui, le marché nous amène à aller à être proche de la nature, comme le trail pour la course à pied, le VTT et le VTT électrique pour la montagne. Aujourd'hui, le snook, c'est l'engin idéal pour une balade entre amis. Dans la nature, voilà. Pour passer de la montée à la descente, à peu près combien de temps de... Transformation, 3 minutes. 3 minutes chrono. 3 minutes, ouais. Ça a besoin d'outils particuliers? Non. Vis excentrique, il suffit de le modifier. Alors, je suis désolé, néophyte, c'est quoi une vis excentrique? Une vis excentrique, c'est une vis que vous avez... Ce sont ces vis-là que vous avez au-dessus. Voilà. Donc, au-dessus de la fixation. D'accord. Donc, vous les démontez, vous les remontez, et avec le siège thermoformé et la suspension carbone. Au niveau de la glisse, c'est très simple.
Il faut conserver les pieds à plat pour éviter les projections de neige. Donc souvent, on a une tendance à mettre un petit peu les pieds en avant, donc avec les talons et d'avoir les remontées. Donc il faut conserver les pieds à plat. Et après, vous avez un système de balancier qui est très simple, qui est lié à tous les sports de glisse, donc pour tourner. Hein. Donc il suffit de regarder avec vos yeux, vous regardez votre main derrière. Et en regardant votre main derrière, vous faites pivoter à la fois votre bassin et vos épaules. Et tout simplement, le snook tourne à gauche ou à droite, comme tous les engins de glisse. Donc c'est backside, frontside. Là, ça a l'air un petit peu profilé. Course, on peut atteindre des vitesses folles avec un truc comme ça. Alors, c'est un engin avec, bien sûr, qu'on peut atteindre. C'est pas l'objectif, mais on peut atteindre 80 km/h donc, en descente. Et aujourd'hui, ça se démocratise. On peut en retrouver de plus en plus dans les stations. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a une couverture qui est médiatique, qui est relativement forte, qui est bien au-delà de ce qu'on escomptait au départ. Donc on essaie de combler aujourd'hui commercialement, je dirais, cet écart. Mais on a un aspect stratégique qui est très fort aujourd'hui en termes de développement en Europe, mais aussi aux États-Unis, dans l'Utah, le Colorado et à la Chine, parce qu'on vient d'ouvrir notre première station en Chine. Alors je pose la question qui fâche encore une fois, mais qu'en est-il des autorisations pour être sur les pistes? Parce qu'avec le ski de rando, elle est bien là la difficulté. Tout à fait. Donc en fait, si vous le considérez comme un ski de rando, vous pouvez aller partout, il n'y a pas besoin d'autorisation particulière, comme les raquettes, comme le ski de rando. Donc là, vous êtes en dehors des pistes. Sur les pistes, ce sont des domaines, soit ce sont des domaines privés, soit des domaines qui sont mixtes avec les communes. Donc nous, notre engin est homologué Strem, c'est-à-dire qu'il est homologué pour toutes les remontées mécaniques. Et après, chaque station nous donne l'autorisation, c'est-à-dire qu'il faut modifier la police et la réglementation. Souvent, il y a le directeur d'exploitation, il y a une commission de sécurité avec le responsable des pistes, il y a le responsable des remontées mécaniques et souvent les maires. Voilà. Et donc aujourd'hui, sur 258 stations en France, nous avons plus de 100 autorisations. Et ça va encore évoluer parce que le phénomène s'accélère. Alors concrètement, vous arrivez à arriver justement à tenir le cap avec toutes ces demandes, toute cette ouverture sur le national et sur l'international. C'est surtout l'international. Aujourd'hui, donc, on est une start-up sur Alpespace, hein, entre Chambéry et Grenoble. C'est évident que dans les mois à venir, il va falloir se repencher au niveau des ressources, des ressources financières, des ressources humaines, et pour développer, je dirais, toute notre stratégie sur l'étranger, et notamment sur un marché qui est extrêmement important et qui est très porteur, qui est la Chine. Eh ben, on a hâte de voir ça et de tester ça. On se retrouve d'ailleurs, je peux vous le dire, hein, d'ici quelques semaines, quelques mois, on ira tester ça au sein d'un Destination Montagne, histoire d'avoir un vrai test et quelques images à se mettre sous la main.